Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Reprenons l'Alléluia. Avec vous, chers amis, revenir sur ces différents textes que nous venons d'entendre. D'abord, le premier texte, c'est le prophète Zacharie, qui n'est pas, comme vous pouvez vous en douter, le père de Jean-Baptiste. Mais le prophète Zacharie a vécu au VIe siècle avant le Christ, et c'était déjà l'époque de la domination perse. Donc, une époque difficile pour le peuple juif. Et voilà que Zacharie imagine, rêve, après un roi descendant du roi David, mais un roi, eh bien, qui ne fera pas la paix par la grandeur politique ni par les succès militaires, mais un roi qui fera la paix par l'humilité. Je vous relis ce texte, quelques passages de ce texte. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne tout jeune. Vous pensez bien que les chrétiens, en relisant ce texte, nous pensons à Jésus, le prince de la paix. Et c'est lui que nous fêtons au rameau. Nous relisons ce texte-là. Jésus qui entre solennellement à Jérusalem sur un ânon, entouré non pas d'une armée, mais de quelques disciples, et acclamé par la foule. Cette déroutante humilité de Dieu nous invite quelquefois à purifier l'idée que nous nous faisons de Dieu. Dieu se fait mendiant vis-à-vis de nous. Venez à moi, il nous invite. Et vous voyez, la Vierge Marie, avant même la naissance de Jésus, lorsqu'elle va rencontrer sa cousine Élisabeth et qu'elle proclame son cantique d'action de grâce, elle dit « Mon âme magnifie le Seigneur, exulte de joie, parce que il a comblé, il comble les affamés et il élève les humbles. » Ça m'a fait penser
au discours du pape Paul VI à l'ONU le 4 octobre 1965. Pour un certain nombre parmi vous, ça fait vieux ça, mais c'est pas si vieux que ça. Un des premiers voyages du pape en dehors de l'Italie et du Vatican en particulier. Il s'adresse donc à des hommes et des femmes politiques chargés de faire la paix sur la terre, et voilà ce qu'il leur dit. Votre vocation est de fraterniser, non pas quelques-uns des peuples, mais tous les peuples. Entreprise difficile, point d'interrogation, sans nul doute, mais telle est l'entreprise, telle est votre noble, noble entreprise. Et le pape continue, impossible d'être frère si l'on n'est pas humble, car c'est l'orgueil, si inévitable qu'il puisse paraître, qui provoque les tensions et les luttes de prestige, de la prédominance, du colonialisme, de l'égoïsme. Le pape continue, c'est l'orgueil qui brise la fraternité. Et dans le psaume que nous avons chanté tout à l'heure, alors nous redisons dans l'action de grâce. C'est celui qui prie qui comprend cela. Le Seigneur est tendresse et pitié. La bonté du Seigneur est pour tous. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Et j'en arrive à la deuxième lecture. Saint Paul aux Corinthiens, aux Romains, pardon. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair. Ne vous laissez pas conduire par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Pour Paul, vivre selon la chair, c'est vivre loin de Dieu. Et donc, enfermé dans les limites de notre intelligence humaine. Ça touche quelque chose de profond pour nous, les Occidentaux, façonnés par la Renaissance et par les philosophies de lumière. Il y a en nous, dans notre mentalité, quelque chose d'orgueilleux. Nous pensons que la raison doit suffire pour se conduire. C'est l'autosuffisance. Et quand il y a de l'orgueil, alors on juge facilement les autres et même on accuse. C'est notre culture qui effraie tant la partie orientale du monde. Il faut que nous en ayons conscience de cela. Et ce n'est pas, voyez, l'attitude de Jésus dans l'Évangile. Je vous rappelle un peu le contexte de cet évangile. Jésus vient de pleurer sur les villes comme Chorosaïde, Bethsaïde et Capharnaüm parce qu'il se rend compte que malgré le temps qu'il a passé dans ces villes, les miracles qu'il a pu faire, il n'est pas accueilli. On n'accueille pas son message. Mais Jésus n'accuse personne, même pas son Père. Au contraire, il le bénit. Il bénit son Père parce qu'il a en lui entière confiance, confiance absolue que Dieu fera un jour porter des fruits aux efforts accomplis. Alors ça, c'était encore important pour nous aujourd'hui et comme une bonne nouvelle, parce que nous vivons tous à des moments ou à d'autres des échecs. Je pense à des jeunes, par exemple, qui ont pu passer des examens et qui n'ont pas réussi. C'est pas forcément parce qu'ils ont mal travaillé. Je pense à des jeunes aussi qui cherchent de l'emploi. On peut accuser facilement la société, le système. Et après, je pense aussi à des réflexions que j'ai entendues ces derniers jours. La mort d'un jeune, par exemple. Ah, si Dieu était juste, c'est pas normal. Ou bien aussi, une mère de famille qui me dit « Je n'ai pas réussi mon mariage, ma famille. » Je ne l'ai pas réussi comme j'aurais voulu. Et puis on pourrait continuer, voyez. Eh bien, que nous dit Jésus? Prenez sur vous mon joug. Je lui dis ça pour vous qui êtes là, les jeunes. Vous savez ce que c'est qu'un joug? Vous ne savez pas, parce que ça ne se fait plus maintenant. Mais il y a encore quelques années, les cultivateurs labouraient leur terrain, leur terre, avec des bœufs. Et on mettait un attelage sur les deux bœufs, au cours des deux bœufs, pour qu'ils marchent ensemble. Ça n'aille pas dans tous les sens.
Et Jésus dit, prenez sur vous mon joug, faites attelage avec moi, marchez ensemble avec moi, car je suis doux et humble de cœur. Dans son humilité, Jésus bénit Dieu, parce qu'encore une fois, je le redis, il a une confiance absolue, que Dieu fera un jour porter du fruit aux efforts accomplis. Regardez-le sur la croix. Jésus verra tout s'effondrer, ses amis, ses disciples et même son ministère. Et plus que ça encore, c'est le pire. C'est la revanche du légalisme qui enferme tant les gens et contre lequel Jésus s'est battu. Eh bien, il ne perd pas confiance. La confiance ne ramollit pas notre esprit. La confiance nous apprend la patience et la ténacité. Et Jésus voit dans les petits, ceux qui ne sont pas autosuffisants, qui seront bien les premiers à accueillir et à comprendre. Alors je termine en disant, l'orgueil, c'est le péché fondamental, parce qu'il empêche de faire confiance. Et l'humilité, au contraire, conduit à la confiance. Laissons-nous conduire, atteler à Jésus, doux et humble de cœur.